Yo les gaziers, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, c'est vrai. Et vous devez vous demander, il est où Strolligno? Parce que sur le titre du vlog, bah c'est marqué qu'il est là. On va partir à Paris, mais il est pas là pour tourner l'intro. Du coup, je tourne une petite intro tout seul comme ça pour vous dire que c'est notre retour sur YouTube pour des formats un peu plus détente, un peu plus cool que sur Instagram ou TikTok. On va vraiment essayer d'aller vous montrer les coulisses et l'intérieur de nos événements avec LTDG. C'est le but pour l'année 2024. Donc là, on remet le pied à l'étrier avec un vlog. On va se régaler. Cérémonie du vélo d'or, cérémonie de présentation du Tour de France. Et après, on essaye de revenir avec d'autres projets, vous allez voir, je suis parti au Canada, donc j'ai tourné des vlogs, j'essaye de trouver le temps de vous les monter. Bref, je vais pas faire une intro plus longue pour notre retour sur YouTube, on part directement dans le vlog. Les frérots, c'est départ pour Paris là, et on est déjà en retard, parce que je dis à Grégoire, ouais frérot, prends le beurre en avance et tout, mais non, il y a deux beurres. Et en plus, il pleut. Aujourd'hui, cérémonie du vélo d'or de 18h à minuit, et demain à 11h30, présentation du Tour de France, parcours homme et parcours femme, ça va être de la folie. Deux jours à Paname, deux grosses cérémonies, bam, après on rentre. Ça va être fou, et on a dit, venez, on vlog à la commu, genre. Ouais. En mode real life. Genre on est vraiment à côté d'une benne. On n'est pas à côté de LTDG. Il pleut, on est sous un arbre, on attend le Uber. Ça c'est la vraie vie ça. Ça c'est là on est in, on est dedans. Wesh, y a des pubs de bouffe maintenant sur Uber. Ils me proposaient d'acheter des courgettes. C'est le Uber. C'est le Uber. Ok, on a vraiment 20 minutes d'avance. C'est bon. Est-ce qu'il fallait stresser? On a 12 minutes. 12 minutes d'avance. Grande dédicace à Karim qui me donnait des gros conseils dans la vie. Voilà, comme par exemple, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. On arrive à la gare de Lyon-Pardieu. Juste là. Et vous en pensez quoi de la nouvelle coupe du Grégorito là? Il a trahi notre business plan. Notre business plan c'était de se ressembler, d'avoir les cheveux longs et là les cheveux courts. Putain merde. Maintenant je suis une identité à part entière, je suis plus le frère jumeau d'Antoine. Après je suis que le frère jumeau d'Antoine. T'es toujours ma V2 frère. On y va prendre le train là. Hola chicos, estamos en Paris. On est arrivé à Paris, gare de Lyon. Là, faut qu'on. En fait, on a la galère parce qu'on dort chez notre cousin et on n'a pas pris d'hôtel du coup. Faut qu'on aille à Montparnasse chercher les clés, qu'on repasse à l'appart et qu'on se change pour aller à la cérémonie. Parce que vous allez capter, première fois de vos vies, vous allez voir LTDG sans casquette, sans lunettes, mais genre avec un. Ce genre de costume 3 pièces quoi. Ouais, on n'a pas l'habitude de Paris, c'est trop grand là. Là, je vais faire genre une demi-heure de métro. Je déteste Paname, les gens tirent la gueule, te bousculent dans le métro, tout ça. Comment vous faites les gens qui habitent là à l'année? Vous voulez pas être un peu cool? Venez, c'est tranquille, on arrive devant la tour Montparnasse, c'est cool, tu vois. Moi, je vois le film, je vois Eric et Ramzy et tout. Et en fait, y a que des gens qui tirent la gueule. Y a le cousin là, le Romain là qui nous loge, il veut pas apparaître dans le vlog. Oh, c'est pas du coup, je vous explique qui va arriver ma valise. Grégorito a eu un petit souci avec sa valise à l'arrivée du train. Il va vous raconter sa mésaventure de zinzin. On marche genre pendant 100 mètres. Je suis là en dehors du train, normal, tranquille, un peu de soleil, un peu de vent. Je fais putain, tu vois, je suis léger là, c'est bien, mais qu'à sac à dos à Paris. Putain, mais j'ai pris une valise. Je suis pas censé être aussi léger. Je repars en courant dans le train. Je rentre dans le train. Bah, j'avais l'impression d'être Harry Potter qui allait prendre le train, tu vois. Rentre, je fais droite, gauche, et là, je vois deux mecs qui couillent dans ma valise. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je cours vers eux, il y en a qui se barre en courant, l'autre je l'attrape, je fais mais qu'est-ce que tu fais gros? Toi elle était ouverte, on la referme. Tu me prends pour un con, elle était pas ouverte ma valise. Mais si je te jure, je la referme, il a essayé de te la voler tout. Mais c'est ton connard, tu viens de l'appeler quand elle est partie en courant. Mais t'as pas honte, vas-y dégage, j'ai l'impression qu'il y a rien à voler. Et la vérité c'est quoi? Mais c'est ça gros, vraiment. Scandale, Grégoire a failli aller à la cérémonie du vélo d'or en jean casquette à l'envers genre. Yo, what's up? On a fait une petite pause, petite sieste. Là, maintenant, sur le programme, gros? J'ai bien dormi. Moi, je vais aller courir tranquillou sur les quais à Paris, histoire de vider un peu la pizza de midi. Et surtout d'être affûté pour ce soir dans le costume, là. Et moi, je vais me balader dans Paname parce que je peux pas courir à cause de ma cheville. Je me suis blessé. Genre, je peux encore pédaler, mais je peux plus courir. J'ai trop mal. Du coup, je vais me balader et je vais peut-être essayer de trouver une paire de baskets parce que j'en ai plus. Ou alors, elles sont très sales, quoi. Elles ont vécu déjà pas mal de trajet. Donc, on se retrouve tout à l'heure. AirPods, and when? A few moments later. Mon frérot, c'était comment ce run? C'est cool, petite douche, petite préparation et on va se faire une petite cérémonie du vélo d'or. Ouh, je devais m'acheter une paire de godasses, j'ai pas trouvé de paire de chaussures qui me plaisait. Du coup, bah, je vais mettre d'autres paires pour ce soir, une paire blanche basique quoi. Mais j'aurais bien aimé avoir une paire bleu clair pour avec le pull. Dommage, frérot. Colombia, que barro, c'est chimba. Là, j'ai couru pour tous les Colombiens, tous mes Colombiens en prison à cause du trafic. Allez, c'était toi. Les amis, ça doit faire, je pense, au moins une éternité que j'ai pas mis une chemise. Moi, c'est cuissard maillot bien moulant. Et là, je me sens pas dans mon environnement. Genre là, je sais pas si je dois faire des plis. Je sais même pas si je dois prendre ce manteau, genre. S'il est pas bien. Ouais, ça va, je trouve t'as de la gueule comme ça. Tiens, et les cheveux. Bah, les cheveux, je mettrais un peu plus en arrière, là, ils tombent trop dans le visage, tu vois. Et je peux mettre une casquette, tu penses, comme ça, là?
Casquette à l'envers. Mais t'es bête, j'aurais pu te donner une casquette de. Tu sais, les casquettes de Peaky Blinders, moi j'en avais. Ah ouais, parce que moi avant je faisais des études d'hôtellerie restauration et j'étais tout le temps en costard cravate, genre. Avec cette coupe de cheveux, tu vois bien. Mais même pas, j'avais même pas le droit d'aller les cheveux aussi longs que ça, tu vois. On est en train d'aller marcher du coup vers le métro. On a décidé de prendre culine, du coup, de marcher un peu. Et ton outfit aussi, du coup. Outfit, OTD du jour. Avec, du coup, on n'a pas pris la veste de costard, on a juste pris le manteau. Vu qu'on a les baskets blanches, bah, tu vois, flemme d'être trop bien habillé, ça ira pas. Ça fait un peu fashion faux pas. Du coup, on y va comme ça, et c'est sûr, Pogacar il va tomber amoureux, frère, c'est certain. Là, t'es bien, là, t'es bien. T'es beau. Ce soir, je suis marié à un riche cycliste, c'est sûr. Et toi, frérot, t'habilles comment? Sac à dos déjà qui va extrêmement bien. Bah, pas trop le sac à dos, mais bon, on est obligé de prendre nos affaires quelque part, on n'a pas de sacoche comme ça. Chemise, je suis pas très à l'aise, ça faisait longtemps. Avant, j'étais tout le temps comme ça, maintenant, je suis plus habitué. Et par contre, ouais, la veste longue comme ça avec les baskets blanches, je suis pas fan, mais de toute façon, on n'a pas le choix, donc on y va. Et en plus, on doit marcher 10 minutes et tout, on serait défoncé les pieds avec les bottines ou les chaussures. Ouais, ça aurait fait mal. Allez, venez les amis, prenez ma roue, je vous emmène directement dans la salle et vous montrer un peu comment ça se passe, une cérémonie de vélo d'or. C'est assez incroyable. Regardez les amis, là on rentre dans la salle de réception, ça c'est super bien rempli. Venez, suivez-moi. Les coureurs et les invités de marque, ils se dirigent derrière moi, venez voir, sur le tapis rouge. Vous avez vu les coulisses, maintenant place à la cérémonie, on va changer de salle et on va pouvoir voir un peu tout comment tout se passe, mais on n'a pas le droit de tout filmer, donc on va juste vous dire les vainqueurs et prendre 2-3 images en secret comme ça. Le vainqueur est Christophe Laporte. Oui, petit à petit, je sens que voilà, j'ai progressé, je prends beaucoup de confiance en moi sur les grandes courses. Jonas Vingegaard. Wow, he is the strongest and he is really a team player. Félicitations à Demi Vollering. Derrière moi, il y a le tapis rouge et après, donc les lauréats viennent récupérer leur lot des sponsors. Regardez, Christophe Laporte vient récupérer sa montre Tissot et maintenant il va répondre aux questions. On va essayer de lui poser des questions, nous aussi, venez. La vraie question qu'on se pose, nous, c'est qui pour toi le mieux habillé ce soir? J'ai un pote qui est là, je trouve qu'il est bien habillé. Ouais. Donc voilà, non, j'ai pas trouvé attention à ça. Bah, donne son nom, on lui fait une dédicace. Rémi Gras, je trouve qu'il est bien habillé. Ouais. Bah, bravo à toi, Rémi, t'as été le grand gagnant du vélo d'or de Christophe. That was a very good ceremony, congrats for your trophy. But tonight, who was the best dressed? Best dressed? Me, no. There were not so much riders, you know, so that's a bit sad. Eh? We need to have more riders here. Then we can have a fair competition, I think. But you can say you. No. I think Lotte also looked really nice. And we tried our best for tonight, so that's nice. Okay, thank you to be there. Merci à Tissot de nous avoir permis de vivre ça. Grégoire, je te laisse nous le dire, les vainqueurs de la cérémonie. Alors déjà, la meilleure coureuse hors route, parce que oui, c'est une coureuse qui a remporté ça, c'est Pauline Ferrand-Prévot. Ensuite, le meilleur coureur français, c'est Christophe Laporte qui nous a régalé cette année. Et depuis qu'il a Jumbo, il est vraiment au top de sa forme. La meilleure coureuse de classique, c'est Laute Kopecky qui a aussi été maillot vert sur le Tour de France. Ouais, sans surprise, elle a écrasé la saison. Et chez les hommes, c'est Van Der Poel. Et si vous voulez que Van Der Poel a gagné ce cours de Classic Man, il a gagné 2 classiques, il a gagné le championnat du monde. Qui a gagné le vélo d'or chez les hommes, Grégoire? Le vélo d'or homme 2023, c'est Vingegaard qui a gagné le Tour de France, qui a gagné plein d'étapes sur la Vuelta, le Critérium du Dauphiné. Chez les femmes, c'est Demi Vollering sans contestation qui a gagné. Elle a écrasé la saison, elle a gagné le Tour de France, elle a gagné de nombreuses classiques, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne. Félicitations à elle et merci beaucoup pour la cérémonie. La soirée était juste folle, en vrai on a juste kiffé. On a rencontré plein de partenaires, les pros, des gens qui nous suivaient et qui kiffaient. Franchement, c'était une soirée de ouf, hein. Genre être là-bas vraiment, encore une fois, c'est dingue. Dans ce soirée, il y a eu débat et des hauts. Il est 8h du matin, il m'a pris ma place dans mon lit et il monte les vidéos dans mon lit. Vas-y, dégage. Ouais, j'ai pas dormi de la nuit, ouais, je suis mort. C'est ma place. D'ailleurs, aujourd'hui, les gaziers, on va suivre la cérémonie de présentation du Tour de France hommes et femmes à Paris, encore une fois. Ça va être juste incroyable. On travaille pour Eurosport. On veut vous emmener dans la coulisse. Changement de bonnette. On change de bonnette. On se prépare et on vous emmène. Bon bah let's go, hein. Allez, c'est parti, hein. On va découvrir tout ça. C'est la moto du Tour de France qui donne les écarts entre le peloton et l'échappée. Donc il note le marque sur la petite ardoise l'écart en temps qu'il y a et il le montre au coureur pour que ça je les enseigne.
let's go. Donc là, on rentre. Oh, stylé. Incroyable. On parle de superstar, de champion. Regardez qui nous retrouve en plein sur la scène. Jonas Junior. Les amis, la présentation est finie, mais c'est pas terminé le travail pour les coureurs qui étaient présents. En effet, ils doivent venir ici en zone presse derrière la salle de spectacle et on est dans une ambiance beaucoup plus intime. Et il y a toutes les chaînes de télé, les radios qui viennent poser un peu les questions aux coureurs pour leur demander leur réaction sur le parcours. Ik moet echt de sfeer nog een beetje proeven daar, dus ik kan nu al niet wachten om daar te kennen. Maar wat ook heel bijzonder is, wat je net al zegt. Les amis, je suis complètement mort là, ça fait. C'est le problème de l'événementiel, nous, notre système où tout le temps on prend les images, on parle et on monte directement et en plus on doit négocier avec les partenaires. Quand on ressort d'event, on est KO. Toi, Grégoire, ça va? Mais moi, c'est trop cool, moi je kiffe. En fait, je kiffe, ok, c'est fatigant, mais je kiffe. On rencontre plein de monde, la cérémonie c'était incroyable. Là, on était dans le métro avec Alexandre Pasteur, on commençait à parler avec lui, tout normal dans le métro, dans la même rame. Ça, franchement, frère, c'était incroyable. Hey, j'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Oh, il s'est éteint lui. Et j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Justement, vous avez vu, c'était très détente. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse progresser ce contenu pour réussir à faire des choses beaucoup plus quali. En tout cas, nous, on s'est régalé à le faire. J'espère que vous aussi, posez-nous des questions pour savoir comment sont passées vraiment les coulisses. Si vous voulez qu'on revienne un peu plus sur ce Tour de France 2024. Et puis, mettez un j'aime, abonnez-vous. Tout ça, pas besoin de vous le rappeler. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste là. TikTok, Instagram, Dailymotion, YouTube, enfin, bref. Et on se dit ciao et à bientôt les amis.